Bonjour et bienvenue sur Refuge du Jour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre campagne principale de Dungeon 3, la fin de Yenna Outrefière. Alors, la dernière fois, on devait voir les arachnoïdes, mais je ne les ai pas fait parce que je trouve que cette unité n'est pas optimale et je l'aime pas. Tout bêtement, je l'aime pas. Voilà. Cette fois-ci, nous allons apprendre les balrogs dans cette partie. On va tabasser Yenna, autre fière. Hein. Ah, elle est fière. Barricadez-vous! Rien à faire! Ouais, autre frère. Ah, Yenna. Je te déteste. Tandis que l'armée du mal marchait sur Dolaran, la dirigeante de la cité et sorcière à mi-temps, Yenna Outrefière, combattait le balrog Crowley dans un combat épique. L'énergie magique flottait autour d'eux alors qu'ils s'attaquaient sans relâche. Ça suffit. Aucun démon ne pourra m'arrêter. Puissance du dollar, ouvre-toi! La magie du chaos traversa Crowley et le bannit dans une prison de mana. Il lui serait difficile d'en sortir seul. Vraiment? Nous avons passé tant de temps à essayer de libérer cet imbécile, tout ça pour qu'il se laisse bannir? On n'aurait pas dû se fatiguer pour cet idiot. Votre allié démoniaque est banni. Maintenant, c'est votre tour. Voyons si votre donjon apprécie mes fissures arcaniques. Des déchirures de l'espace-temps apparurent dans le donjon. L'énergie du cœur de donjon semblait attirer les arcanes chaotiques des fissures. L'énergie magique jaillit des fissures pour transpercer le cœur de donjon. Bon. À l'évidence, il faut détruire ces machins. Mais comment faire? La violence, c'est toujours la solution la plus évidente, pensa le mal en ordonnant à ses créatures d'attaquer les fissures arcaniques. Bizarrement, ça donna vraiment des résultats. Comment s'appelle le scénariste? Vous les avez détruites? Bah, il me suffit d'en recréer. Laissez-moi 2 secondes, histoire de boire une potion de mana ou 2, et je suis à vous. Vous me le paierez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un bon zone, nous avons une belle zone ici, nous avons une petite zone au dadon. Ouais, pas plus. Qu'est-ce que nous avons en recherche? C'est surtout ça à savoir. Que dalle! On va prendre du mana. Cette fois-ci, on va pas faire l'erreur, on va prendre le mana. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a des sous, donc on va acheter ceci. Bah oui, le cimetière qui est très très bien, très très fort, très... très utile. nous avons déjà... 2... Ça va être notre petit cimetière. On va rajouter une prison. On va la faire ici. C'est moi, Thanos. Oui, Thanos. Mon démon a été banni. Maintenant, il serait temps d'arrêter et de... La ferme. Il doit bien rester un peu de bonté au fond de ton cœur. La 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 la, je n'entends pas. Ce n'est pas très adulte de ta part. Enfin, de ma part. Enfin, bref. Et alors? Il devrait arrêter de m'énerver. Bon, il nous faut un plan. Je propose qu'on détruise le reste de la ville et qu'on en finisse avec cette sorcière. Et en bonus, on peut libérer Crowley au passage. La 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 la. C'est pas très adulte de ta part. Voilà. Elle a tout à fait raison, attendez, oh. Ça suffit. Je vais faire une zone de boîte ici. Mais c'est pas très droit. Oh, c'est bon. C'est bon, on kikine pas. Ouais. Oui, la zone de mana, ça serait pas si bête. Hop, on va faire ça. Et une autre. Voilà, et puis on rajoute ça. Et en français, je suis en train de faire ma zone de vortex. Et puis là, je vais faire une petite zone de mana. Une petite, pas énorme. Autrement, qu'est-ce que j'ai comme créature? J'ai que 2 gobelins. Bon,
Ok. T'aurais dû regarder. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que... Ouais, est-ce qu'on tente? Oui. On va tenter. Hop. Non. Si. Voilà, nouvelle fissure dans 16 minutes. Libérer Crowley, battre Yena. Oui. Non. Et tu trouves ça rigolo? Oui. Ah oui? Oh, dommage. Ah là là, c'est quoi qui est mort? Oh, ça va. Ça va. Ah, j'ai pas de mana. Moi aussi, je vais en avoir. Mais bon. Voilà, j'aurai du mana. Ça va, ça va. 1, 2, 3. Voilà. En plus, on attaque là. La novice, c'est bon. Hop, on sonne, tant pis pour mon orc. J'ai dit on sonne. Ils sont pas très... Comment dire... coordonnés. Une salle a été mise au jour dans le sous-monde. Oh, des boîtes! Des boîtes! On va construire ceci. Avec, bien sûr, deux trucs. Bon, ça me permet, hein. Hop, on va remonter en haut. Et on va faire une petite... J'ai pas de mana. Bon, rentrez à pied. Je veux du mana. Tiens, normalement, Crowley était là. J'ai fait une salle pour rien. Bon, c'est pas grave. Ça sera la belle salle au mana, elle sera là. Mais laisse-moi faire du mana. Je sais pas qu'est-ce qu'on va foutre ici, on va peut-être faire de la colle. Je sais pas. Maintenant que j'ai ma faisance, que faisons-nous? Ceci. Très intelligent. Tu te auto-concalcules, fais gaffe! Oui, je sais. Alors. Construire. Hop. Ça. Il me faut des sous. Il me faut des sous, du mana. Combien encore? Pipoil là. Non, pipoil de 35. La moto qui m'enquiquine. C'est qui s'est servi en argent? Hop, je recomplète ici parce que ça ne me sert pas. Ouais, on est d'accord. Pour une salle de bière. Peut-être comme cela. Pas plus. Ça sera une belle salle de bière, c'est bien. Ah non, vous avez peut-être raison, non. Pas une salle de bière, une salle de...
Et je me suis arrêté le pipoil. Ah, c'est pas bien. Une salle de bain. Salut les mecs. Ah, je suis obligé de faire ça. Qui se bouge les fesses. On va recompléter aussi là. Pour refaire une porte. J'ai pas beaucoup de dadons, mais j'ai surtout. Ça coûte combien? 250? Allez! Ah! Je viens juste de voir. Il me manquait les caisses. Voilà. Alors, qui j'ai perdu? À part l'orque. Rien d'autre. Ce qui est bon. Genre de paye, pas bien. Et on recomplétera. Pareil, on recomplétera. Là, j'ai même pas fait attention, oui, c'est vrai. Et on va faire la salle à la bière ici. 6 sur 6, c'est bien. Fais-moi ça, s'il te plaît. Et plus vite. Tu me permettras. Soyez sans peur, brave héros de Dolaran. Renvoyez le mal d'où il vient. Ouais, ouais, c'est ça. Allez. Jour de paix. Toujours pareil, hein. J'attends les. Les caisses. Attends. Quand même. Oh oh. Un nid d'araignée a été découvert. Génial. Surtout que je vais me faire attaquer. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Voilà. Coucou. C'est un trap. Vive le mal. Talia, que je puisse demander. Prenez-moi vos ordres. Voilà, l'ordre de creuser ce que je veux. Voilà, sale bête. Alors, maintenant que j'ai un peu plus de malfaisance, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, ceci. Cela. D'abord. La prison, bah c'est trop tard. J'aurais bien voulu, ouais. Ouais, moi aussi, mais bon. On peut pas tout avoir, hélas. Voilà, une belle salle au trésor. Qu'est-ce que je pourrais demander? Non. Alors, ce que je vais faire, c'est certes ralentir un peu, mais c'est pas grave, on va faire. Ah, mince! Voilà. Il me faudrait
le sort accélération, ça serait génial. Il est où? Allez, Snissel. Et Snuff, allez, plus vite. Plus vite! On peut sûrement faire une porte. Toi et tes portes. Bah oui, moi et mes portes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? La salle de bière. Oh, ça y est, je m'embrouille. Je m'embrouille. Hop. Alors, j'ai une question ni bête ni stupide. Ceci. C'est du 2 sur 2. Donc, on va faire 2 sur 2 sur 2. Ça, c'est bien. Bah, pile poil. C'est très bien. J'ai pas fait exprès. Et ça me permet de. D'avoir du mana. On va créer un deuxième créateur de mana. Mais dès que j'aurai assez. On va faire de la malfaisance. Il me faut de la malfaisance. Le mal triomphe. Donc il me faut des sous et de la malfaisance. Et dans 5 minutes, je dois retourner en bas, de toute façon. À cause des fissures temporelles. Elle est pas loin, dis donc. Que la moitié, mais bon. Mais la moitié, c'est beaucoup. Bah oui, c'est beaucoup. Oui, oui. Impossible qu'il se relève. On va mettre ceci pour essayer de pas trop perdre de temps. Toujours pareil. Ça permet d'avoir 100% de plus. Bah, presque 100%. Si je fais ça, j'aurai pas mon don, ma prison. Autant que je fasse ceci, que je débloque après. Et j'économise après. Alors, j'avais dit qu'on reboucherait après. Parce que, pas intéressant. De base. Ensuite, nous allons faire le donjon. La prison. Mais punaise, j'y arrive pas aujourd'hui. Jour de paix. Ouah, c'est bon. Et Dadon, c'est bon. Ici, t'es pas bon. Oh, punaise, pour combien? Pour 25. Hé, hey, Talia, je me demande si je vais vous renvoyer à votre père en un ou plusieurs morceaux. J'ai toujours pas réussi à me décider. Les miens. oui. Bon, c'est pas ça qui va m'enquiquiner le plus, c'est pas grave. Au contraire, ça va même me rajouter un peu de mana. Alors, 3... Attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, je recomplète là. Et je vais faire 1, 2, 3. Et de nouveau 1, 2, 3.
Et qu'est-ce que tu es en train de faire? La salle de conférence. J'ai pas mal de mana. Par contre, ce que je vais faire, c'est ceci. Pas mal de sous. Pas mal de caisses, c'est tout ça. Ah, je veux ça. Mais je veux aussi le rotor. Allez, un tout petit peu. La malfaisance. Allez, encore. Encore. Ça va être... Oh, j'allais dire ça va être 149. Ah. On va tuer le jeu. Ah bon? Oh. Mais je peux. Mais je peux. Oh! L'argent. Encore. S'il te plaît. S'il te plaît. Tout petit peu. Merci, Snuffy. Ouais. Ah, c'est le jeu, là. Voilà. Dans moins d'une minute... Ouais, j'aurai ça. Petit problème, j'ai E. J'ai l'argent là qui m'intéresse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher après. Et je recroserai là. C'est la conférence où j'aurai pas assez d'argent. Des portes. T'es chiant avec tes portes, oui. Mais c'est très utile, les portes. Et pourquoi tu les fais ici? Bah, ça permet d'avoir plus de caisses plus rapidement et puis on est tranquille. Oui. Je me demande... Ouais, je vais un tout petit peu agrandir le cimetière. Ouais, elle va lancer. Hop là. Alors. Votre cœur de donjon se fait attaquer. Je sais. C'est pour ça que je vais au plus vite. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Oui, 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 bah je me dépêche, je me dépêche. Voilà. Le cœur de donjon se fait attaquer. Vas-y, vas-y. Mort au bien. Mort au bien, mais dépêche-toi. Pipoil, ouh, bah pipoil, 75%. Alors, il y a autre chose à faire, oui. Ça, 3, voilà, et pas assez d'argent. C'est pas grave. Ils m'ont pas détruit je trouve pas mon mot. Mon portail. Ouais, ouais. J'en ai bien voulu. Là, ce qu'il faut, c'est une naga. Comment il a acheté la caisse? Jour de paix. C'est pas grave. Ils vont se payer plus tard. De toute façon, ils vont se payer en haut.
Voilà. Je voulais une naga, mais petit problème, c'est pognon. Ça va, ça se re-soigne. Thanos doit mourir. On va reculer, essayer de les attirer. Vas-y, vas-y. Profites-en. Hop, aléatoirement, parce que genre... On va détruire ça. Et c'est bon, je peux rechercher, je peux les faire entrer. Non, ils peuvent rester là au final. Je vais descendre d'un coup, je vais invoquer une naga. L'invoquer, hop, la mettre ici. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Les zombies, c'est bon. C'est en cours de... J'ai pas de... Oh là là. De quatrième zombie. Donc je vais le créer direct. Je vais retourner ici. Pour construire cela. Les sorts, on s'en fiche, je suis très bien avec. On va augmenter ma population. On va attendre avoir assez de sous pour avoir une succube. J'ai 250, c'est 350. On va faire la petite recherche quand même. Je ne peux pas faire ça. Oui, c'est une recherche, oui, pour avoir un peu plus de parchemin. Là, elle a dû soigner tout le monde, pas tout le monde, toutes celles qu'elles peuvent, qu'elle peut soigner. Oh. Oh. Le sort, boule de feu. Je les voyais plus. Pourtant, ils étaient là. Hein. Oui, je sais, je sais, je sais. Voilà. La petite voleuse. Et on va retourner en arrière. Parce que... Oh mince, je croyais qu'il l'avait tué. Ah, c'est pas grave. Ah ! Mon orc est mort. Ah, on redescend. On va créer un orc. On va se mettre ici. Ah bah oui, je suis tranquille. Les recherches, qu'est-ce qu'il me faut en plus? La salle de torture. Oh, c'est 3 sur 3. Probablement négocier. Oh, arrêtons de faire semblant. Négocier avec qui? J'ai déjà brûlé la moitié du pays. Le mal, c'est moi. Il me faudrait un peu plus de mana. Alors, pour avoir un peu plus de mana, il me faut ceci. Mais pourquoi tu les prends? Bah, je vais les prendre pour avoir un peu plus de gouache en haut. Même si pour l'instant, il me faut du mana. Mais s'ils reviennent en bas... Bah, j'utiliserai du mana pour qu'ils reviennent en bas, c'est pas si grave. Allemand. Aura suffisant. Ah, c'est gruau. Je suis la reine du mal.
Elle est où? Elle est morte? Bon, on va dire que oui. Là, j'ai vraiment... aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Ouais. Aïe, 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 aïe. J'ai mon ongle qui s'est cassé. Et puis, au final, je me suis coincé des cheveux dedans. C'est jour de paix. Voilà, ça fait une demi-heure que je suis avec vous. Ouais. Petit à petit, l'armée du mal conquit toute la ville. Attendez, ce n'est pas Crowley là-bas? Cet idiot s'est laissé enfermer? C'est invraisemblable le temps que ce demeuré nous aura fait perdre. Enfin, on peut toujours l'utiliser comme chair à canon. Libérons-le. Vraiment? Je veux dire, un prince des enfers, c'est très dangereux, et... dangereux? Ce n'est pas mon impression. Il a détruit les murs de la ville, puis s'est laissé bannir. J'ai le sentiment que n'importe quel gobelin de mon armée aurait fait mieux. De toute façon, ferme-la, gentille Talia. Voilà. Ah, j'ai bien envie de mettre mon portail bien ici, dans la zone là. Pour peut-être essayer d'éviter qu'il se fasse casser. Parce que là, les héros, ils n'arrivent pas à rentrer. Ils n'arrivent pas à rentrer, donc j'aurais quoi? J'aurais peut-être pas de serviteurs. Voilà. Alors, on va faire la salle. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la partie 1 de Yena Outre-Terre, Outre-Fière. Voilà, on va nettoyer Dolaran, on va tuer Yena Outre-Fière. Voilà, c'est marqué en plus. Voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez,